Je vous propose, vous les avez vus à l'image, de les accueillir maintenant en chair et en os. J'appelle Romain Bardet, Guillaume Bonafont, Maxime Boué, Sven Gastauer, Steve Wanard et Julien Bérard. Voilà, avec Romain Bardet à mes côtés. Romain Bardet, qui est cette année, chez AG2R La Mondiale, le seul néo-professionnel qui vient, bien sûr, de Chambéry. Mais on l'a déjà évoqué, Romain Bardet est un coureur de 21 ans qui aura l'occasion de briller, très certainement cette année. Il était le favori du Tour de l'Avenir. Finalement, ça n'a pas très bien fonctionné, pas comme il le souhaitait. Il a quand même ramené une belle victoire d'étape. Il a fait, je crois, deux fois deuxième. Il a fait aussi deuxième de Liège-Bastogne-Liège Espoir. C'est un grand coureur d'avenir. Guillaume Bonafont, c'est sa troisième saison chez les pros. C'est un grimpeur, c'est un ancien vainqueur de la Ronde de l'Isard. Et néo-pro, eh bien, il s'était révélé notamment sur les routes du Giro, auquel il participait évidemment pour la première fois. Et cette année, il a fait 26e de la Vuelta. Maxime Boué, eh bien, lui, on se souvient tous de son échappée dans le Tourmalet sur les routes du Tour 2009. Quand on a parlé de la saison 2011, il n'était pas très content parce qu'il nous confiait que c'était finalement, depuis ses débuts chez les pros, la seule saison où il n'avait pas remporté de course. Ce sera corrigé, très certainement, en 2012. Ben Gastauer, qui est à sa droite. Ben Gastauer, Vincent Lanoue m'a dit, c'est un gros moteur. Grimpeur à ses débuts, maintenant avec un gabarit comme ça, je ne sais pas s'il grimpera dans la haute montagne. Vincent est confiant. Alors, soyons-le, nous aussi, c'est un coureur âgé de 24 ans, originaire du Luxembourg. Et il a gagné par ici le Tour des Pays de Savoie. Et puis, sur sa droite, Steve Wanard, que l'on a, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de mémoire comme moi et qui se souviennent des derniers faits, on l'a beaucoup vu échapper sur les routes de la dernière Vuelta. Steve Wanard, comme Maxime Boué d'ailleurs, sortent de Chambéry, mais n'ont pas débuté chez les pros au sein de l'équipe de Vincent Lavenue, sont allés voir ailleurs. En ce qui concerne Steve, c'était chez Skill. Il est revenu parfaitement bilingue et accessoirement, vous le voyez, il entame désormais une carrière avec beaucoup de pugnacité. Et puis, Julien Bérard, 24 ans, eh bien, lui qui s'était révélé par une victoire au Tour de l'Avenir en 2009, a accompli cette année son premier grand tour. C'était le Giro et dans la foulée, il était en forme, il a fait quatrième du championnat de France. Voilà donc en ce qui concerne les coureurs issus du CCF. Merci messieurs, je vous laisse redescendre. De Fourcom, vidéo, audio, web, event.